Votre nom? 8 par an. Par an. Oh, c'est une moitié d'une. 5. Verrière. 2. Monsieur Éloi. Éloi. Monsieur Roux. Roux. Monsieur Vernier. 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 3. Monsieur Guyot. Guyot. Monsieur Verrière. Ce pied, le pied que vous trouverez, que vous aurez confirmé, sera votre pied d'attaque. Au cas échéant, il y a des pieds de substitution, hein, comme le prévoit le règlement. Vous allez croiser votre balisé, matérialisé pardon, par une balise, une rue balise. Voilà, voilà, je pense qu'on a tout dit, donc vous serez jugé par les gens de la Fac du Rhône et de la Loire, et de l'Ardèche, pardon, les patrons. Donc juge premier de... On a avancé au moins 20 mètres. Pas le chemin. L'autre marche. Allez. Il est pas bon, ok. Allez. Allez, oui, elle est là. Allez, oui, là. Oh!
Allez, oui, passe. Allez, oui, il est là. Il est là, mais comment, hein? Allez, oui, il est là. Allez, oui, il est là. Ah, du coup, il est là. Il n'est pas là. Reviens là, il n'est pas là-bas. Il est là. Alors on remercie la Fédération de chasse, la FAC, les communes organisatrices, les sociétés de chasse voisines, les bénévoles, où cette remarquable journée s'est bien passée. Alors, la première piste du matin. À 9h27, Monsieur Verrières-Guillaume, au lieu dit Légarenne, nous présente son griffon bleu de Gascogne, Uriau. En libre, le binôme part sur la piste forestière en direction de la Brisée. Arrivé sur celle-ci à 9h32, le chien reconnaît, remonte la voie pour se récrier pour la première fois à 9h34. Pendant 12 minutes et sur une distance de 900 mètres, le binôme va remonter cette voie, ponctué de quelques défauts vite relevés. Arrivé en bordure de fourré, Uriau évente l'animal. Le conducteur appuie et le chien rentre au fourré. Les récris s'intensifient sur l'animal se dérobant de l'épée à 9h47. Les chiens tombent en défaut, le chien tombe en défaut, ressort et boucle autour du fourré pour retrouver la voie du sanglier vu à 9h54 sautant le chemin de la montée des carrières. Nous avons apprécié une bonne complicité, chien conducteur. Bravo à eux. À 9h45, au lieu dit le châtaignier, M. Eloa nous présente Indien, Gascon Saint-Angeois de 3 ans. À 9h50, le duo part en libre en direction de la Brisée. De suite, le chien reconnaît, se récrie et empaume la voie à un train rapide avant de tomber en défaut à 10h05. Au lieu dit Châtillon. Le chien travaille sur des fougets du matin avec difficulté. Il parvient à 10h08 à trouver le défilé. Le chien emmène avec application et à 10h14, le chien chasse des sangliers observés par les juges et spectateurs. Nous avons apprécié un gascon bien dans la voie du sanglier. Bravo. À 10h40, M. Guyot, au lieu dit la chèvre pendue, nous présente Gary, typé griffon bleu de Gascogne. Le duo part en longe jusqu'à la Brisée. Arrivé à celle-ci, à 10h43, le chien se récrie immédiatement sur sa Brisée. Le chien descend le long de la goutte, arrive au pré où plusieurs défauts se produisent, vite relevés par le chien. À 11h, le chien saute la route de Saint-Cyr, traverse le second ruisseau, le rythme et la fréquence des récris s'intensifient. Le rapproché soutenu rentre au fourré dans la forêt de la Pyramide. À 11h20, le chien saute la piste pour lancer sous le cré de la Gatte. À 11h27, après 2 km 400 et 45 minutes de rapproché. Nous avons apprécié un chien impliqué et obéissant qui aurait mérité d'être conduit en libre à la Brisée. À 10h55, Maxime Verrières et son chien hurleur se présentent au lieu-dit Valecia. Sous les yeux des spectateurs, le binôme part tranquillement en libre en direction de la Brisée. À 11h, le chien reconnaît la voie, se récrie et emmène en direction des Bautiers. À 11h09, le chien est embalassé en lisière du bois. 3 minutes plus tard, le chien, avec méthode, reprend sa voie et emmène vivement. Hurleur bien gorgé, monte en crête et la franchit. Passe sous la ferme des Bautières, plonge en direction des granges et bute au ruisseau. Le ruisseau, toujours à la voie, recule et emmène sa voie au crêt des Bautières. À 11h47, le chien se met aux fermes et suite à un contact, la prestation se termine après 44 minutes et 3 km 100 parcourus. On a pu apprécier un griffon bleu bien gorgé et dans la voie du sanglier. Bravo. Piste numéro 5. À 14h33, Monsieur Achintre nous présente Galopin, un chien type FAC, âgé de 5 ans, au lieu dit le virage du Martin. Le binôme part en direction de la Brisée aux accoupes pour des raisons de sécurité. Le conducteur découple et Galopin part en quête. Au bout de 3 minutes, le chien reconnaît et se récrie. Il part en bordure de la coupe à blanc, puis l'allonge en direction du chemin de la patience à un bon rythme. À 14h45, un premier défaut intervient. Le chien va alors travailler celui-ci en bouclant la plantation et sous l'appui du conducteur réempaume la voie à 14h47 et prend la direction dessous la maison de la patience.
À partir de ce moment-là, Galopin, gêné par des parcs à moutons et la présence de Choroy, ne parviendra pas à poursuivre la voie. Le conducteur décide de mettre un terme à sa prestation. Nous avons apprécié un duo plaisant à suivre. Brisé numéro 6. À 14h36, au lieu dit le réservoir, M. Vernet nous fait une bonne présentation et nous présente Oli, une chienne gascon. Le binôme part en libre et sur la première brisée, la chienne reconnaîtra sans parvenir à se récrier. Une deuxième brisée lui sera donnée, mais encore une fois, la voix ne permettra pas à la chienne d'en reconnaître. Merci pour la sportivité de ce conducteur. Au-delà de la prestation du jour, qui au-delà de la prestation du jour, rencontre des difficultés à découpler ses chiens courant dans la voie du sanglier. On peut l'applaudir. À 16h, M. Parent-Alain nous présente au lieu-dit Sapet Easy, une chienne gascon de 8 ans. Le conducteur part à l'allonge jusqu'à la brisée. À 16h03, sur le chemin, la chienne reconnaît et se récrie après quelques dizaines de mètres. Le rapproché passe en crête, tombe en défaut. Expérimenté, Easy redécoupe et reprend la voie à 16h32. Le binôme arrive à la route de Bicône et un peu perturbé par les spectateurs. Toujours en connaissance de la voie, la chienne espace de plus en plus ses récris, redescend au ruisseau, remet au virage du Martin et tombe en défaut sur la route. Après 45 minutes et 2,9 km, le rapproché n'aboutira pas. Nous avons apprécié une chienne expérimentée et une bonne complicité du binôme. À 15h53, au lieu dit Roche-Tachon, M. Roux de la Saône-et-Loire nous présente Ibis, typé briquet de pays, âgé de 3 ans. En libre, le duo part en direction de leur brisée trouvée le matin. La chienne, se souvenant de la passe, part directement à l'entrée du fourré. Très rapidement, celle-ci se récrie abondamment sur 130 mètres où un très joli ferme intervient aux oreilles des spectateurs et juges présents. Nous avons apprécié un chien tenace au contact et encourageons ce nouveau chasseur au chien courant à persévérer dans cette voie. Bravo. Allez. Alors, les problèmes.